Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de My Recycling Center, un jeu dans lequel vous allez devoir ouvrir et gérer votre centre de tri, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs bennes. Donc les bennes, enfin ici c'est pour les déchets résidentiels. Ici c'est pour les gros déchets, voilà. Le timber c'est le bois et recyclable ça va être toutes les bouteilles en plastique et toutes ces choses. Vous avez ici votre bureau qui vous permet d'acheter bien sûr d'autres matériaux, enfin d'autres machines plutôt. Donc j'appuie sur F et ici on a des compacteurs, on a des bennes pour le verre. On a plusieurs choses ici, c'est un destructeur complet. Vous pouvez modifier votre boutique, acheter une petite brouette et un petit chariot pour déplacer les éléments. On a un client qui vient d'arriver et ici pour acheter les barrières. Le côté management qui vous permet d'enlever, de retirer et de replacer ben, vos matériaux, quoi, vos machines que vous achetez. Je vais y arriver. Ici c'est le côté pour débloquer des nouveaux matériaux aussi, donc du verre, construction, de l'herbe, mais il vous faut des points de réputation que vous allez gagner bien sûr en faisant des bonnes actions. Après, le point de réputation c'est juste ici et l'argent est là, voilà tout simplement. Vous pouvez jouer également entièrement à la manette pour ceux qui le souhaitent, voilà. Donc là on a le droit à une très grosse camionnette. Que va-t-il nous déposer ce gentil bonhomme? Allez, c'est parti. Bonjour madame. Donc vous avez pas mal de déchets, par contre je vois madame que vous avez des sacs noirs et ça c'est pas autorisé en déchetterie, voilà. Donc là comme vous pouvez le voir je peux faire check-out pour lui dire c'est bon j'ai vidé votre camionnette et vous me payez. Et si j'appuie sur X elle aura des frais parce qu'elle m'a ramené donc ses déchets de la maison et c'est interdit en déchette, donc X. Et voilà, elle me paye 12 balles, maintenant je vais pouvoir m'en occuper. Donc ici on a une vieille tête d'animal, alors j'ai vu qu'on a la touche E pour acheter les objets, je sais pas à quoi ça sert vraiment. C'est pour débloquer, mais honnêtement, j'ai testé, j'ai pas compris. Est-ce que c'est pour débloquer les succès Steam? Je n'en sais rien du tout. Donc là, timber, c'est le bois. Hop. On va vider tout ça. Alors, attendez, madame, vous avez encore du bois. Une table pour recycler. C'est parti. Vous avez quoi encore? Du plastique. Donc, plastique, ça va être dans les bulk trash. Voilà, vous avez vu que j'ai l'argent en haut qui monte, hein, 52$ à chaque fois que je fais une bonne action. Si je mets dans la mauvaise benne, eh ben, j'ai un petit malus. Recyclable plastique, c'est ici. On est à 62$, c'est pas mal. Encore une fois, plastique. Alors, par la suite, je m'achèterai un petit chariot. Comme ça, je vais pouvoir mettre tous les déchets à l'intérieur. Donc, ça, c'est garbage bag. Ça va dans résidentiel. Voilà. Encore une fois, ça. Oula, j'ai failli mettre. C'était pas un sachet. Voilà. Ensuite, j'ai encore. Hop là. Elle a fait n'importe quoi, madame. Un lit. Donc après, une petite fonctionnalité bien sympa que je vais vous montrer, on peut donc pousser la benne et broyer les déchets à l'intérieur. C'est plutôt stylé. Plastic box, ça va là-dedans, hop là. Et du coup, alors là par contre, c'est très gros. Oh, j'arrive même pas à la sortir. Ah, si, non. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est le tourner parce qu'on peut tourner les objets. Voilà, impeccable. Et du coup, impeccable. Voilà, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Le gros canapé, hop là, on est déjà à 212 balles les amis, c'est vraiment pas mal. Elle a encore une table qui est très jolie d'ailleurs avec le petit marbre, vieillot mais sympa. Voilà, et on a encore une petite bouteille plastique. Donc maintenant je vais dire que c'est terminé, et je vais empocher mon pognon. Enfin le pognon je l'ai déjà mais bon voilà. Donc là il vous dit un petit peu tout ce que vous avez fait, donc 6 dollars etc, le petit récap. Elle s'en va, ça va laisser place à un nouveau client. Et du coup, ici, maintenant, vu que c'est un petit peu bloqué, je vais appuyer sur F. On a une petite cinématique juste au-dessus, enfin plutôt une caméra. Et on va voir un petit peu comment que je pousse les déchets, regardez. Alors des fois, les déchets se broient. Là, peut-être ça va casser, regardez bien. Je pense que ça va péter, là. Ah oui, ça a cassé, mais on l'a pas vu, malheureusement. Alors, je vais attendre qu'elle s'ouvre à nouveau en entier, comme ça, c'est bien stocké, enfin, c'est bien tassé. Et je peux remettre des déchets par-dessus. Il y a un gros client qui arrive. Alors attendez, tac, F. Mais qu'écoute le chariot. J'arrive, monsieur, j'arrive. Ah, 500 balles, d'accord, quand même. Bah, je vais prendre une brouette, ça ira très bien. Allez, pour commencer la petite brouette, monsieur, je vous ouvre. Alors attendez, avant d'ouvrir, je vais mettre mon compacteur, sinon il va faire ça à l'infini. Une fois qu'il est complètement ouvert, je valide. Hop, impeccable. Voilà, monsieur, entrez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous ramenez de beau? Ah, je suis devant, excusez-moi. Ça ne peut pas fonctionner. Encore des gros meubles.
Donc après, bien sûr, vous pouvez vider les bennes. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Donc là, c'est des gros meubles. J'ai pas besoin de trop m'embêter. Bonjour, monsieur. Allez, encore un vieux lit ou je ne sais quoi, là, un canapé. Hop. Mets ça là-dedans. Table. Alors, est-ce que le jeu est cool? C'est un grand mot. Je sais pas pour ceux qui aiment bien. Moi, je trouve que c'est marrant. 10 minutes et après, voilà, c'est toujours pareil. Même si après, on a d'autres machines et tout. C'est... Ouf, j'ai tout pété. C'est assez similaire. Hein. On va faire toujours la même chose. Donc pour ceux qui aiment trier, s'amuser comme ça, pourquoi pas. Mais pour les autres, non, je ne vous le conseille pas trop. Moi, je l'ai eu en cadeau, donc c'est pour ça que je vous fais la petite présentation. Après, il n'est pas nul, hein, loin d'être nul, mais ouf, il n'est pas non plus exceptionnel. Forcément, regardez, j'ai déjà 410 balles. Donc lui, on a fini. Mais déjà, eh ben, monsieur, c'est bien. Allez. Ben, ça, c'est parfait, ça. Alors, je vais juste voir comment elle fonctionne ma brouette. Alors, F. Ah oui, sympa, ok. Ah ben, c'est cool, ça. Comme ça, s'il y a plusieurs déchets qui m'embêtent, enfin, je peux mettre tout dedans et les transporter. Ça, par contre, c'est génial. Alors, attends, je vais te laisser là. Comment on fait pour échapper? Oui, échappe. Oui, comment on fait pour échapper? Oui, full, t'as raison. Comment on fait pour sortir? Alors, est-ce qu'on peut pas s'acheter un autre, une petite benne? J'en ai déjà, j'ai pas besoin. Moi, j'aurais voulu l'énorme compacteur, mais c'est beaucoup trop cher. 2500. Je peux rien faire pour l'instant, en vrai. J'ai pas énormément d'argent. Ça va être une barrière automatique. Ok. Oh bah on va continuer, on va prendre notre troisième client. Encore une fourgonnette. Petite Volkswagen apparemment. Bonjour monsieur, bienvenue. Hop là. Et après ça, je vais vous montrer comment on vide les bennes, comme je vous l'ai dit. Parce qu'à un moment donné, ça va être beaucoup trop plein. Et vous allez plus pouvoir stocker. Il y a quand même une table de billard. Donc vous allez voir que là, si j'appuie sur E pour le pour l'acheter, bah voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert honnêtement. Pour être franc avec vous. Voilà, ça commence à être blindé, hein. Ça commence à être un petit peu blindé. Bon ben ça c'est du bois, on va mettre là-dedans. Voilà. Et là, c'est une vieille porte. Ah, il y a énormément de déchets, je crois qu'il y a 200 objets, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt sympa. Par contre là, pour la porte, ça m'embête, hein. Voilà. Et je vais faire... je vais faire vider la benne tout de suite. Monsieur n'a plus rien, c'est parti. On valide. Enfin, madame, pardon. Voilà. Donc je vais vider les bennes. Pour ce faire, il faut aller sur Management. Voilà, et par exemple la benne, c'est laquelle résente le nom, Bulk Trash, c'est celle-là, la grosse, donc je fais un petit clic dessus. Vous pouvez également bien sûr repeindre et ajouter comment on appelle ça? Aidez-moi. des nouveaux panneaux d'indication, voilà. Donc pour faire, c'est laquelle du coup? Compacteur, non, on a dit, ben on est dessus, on fait Empty Container. Voilà, un petit son qui se met en route et logiquement elle est vide. Ah, par contre là ça m'embête parce que ce qui est cassé en fait ça reste au fond et ça c'est pas top. Alors je sais pas comment vider ça honnêtement, voilà. Normalement faut pas qu'il se casse mais bon que voulez-vous. Allez bonjour monsieur, alors lui ça pue les poubelles de maison lui hein. Ah ouais là c'est obligé. Bonjour monsieur, quoique un petit cabinet, ok. Ah je pensais quand même que t'allais un petit peu m'arnaquer monsieur tu vois genre des poubelles de maison. C'est tout? Attends, sérieux? Ok. Bah attends, cabinet, notes. Ah oui, je l'ai pas mis dans le bon. Voilà ce qui se passe quand vous ne mettez pas de la bonne benne. Le petit cabinet, là, j'aurais dû le mettre là-dedans. Ce n'est pas grave. Donc là, on va un petit peu compacter pour l'instant, les amis. Et je vais essayer de gagner de l'argent pour peut-être m'acheter autre chose de plus gros. Est-ce que ça va casser cette fois? En live avec vous. Est-ce que je vais réussir à broyer mes déchets complets? La table, elle va morfler. Regardez la table. Même pas, mais c'est quoi ça? Oh mince, j'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, regardez. Bah après, si ça retombe, ça va, je vais pouvoir pousser et ça ira beaucoup mieux. Bon bah c'est parti, petite ellipse jusqu'à avoir de l'argent. Le problème c'est qu'il faut beaucoup de... J'arrive monsieur. Beaucoup de points de réputation aussi pour débloquer des nouveaux matériaux. Alors, ça va être compliqué ça. Je crois que finalement, je vais voir avec vous s'il y a encore ce client, les amis, pas d'ellipse tout de suite. Il n'y a que du plastique, c'est bien. Je vais arrêter mon système là. Alors attendez, quelques secondes encore. Le cabinet tombe. Voilà. Stop, 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 stop. Parfait. Alors monsieur, il y avait quoi? Bonjour monsieur. Plastique barrel, ça c'est bien ça. Ça juste là-dedans. L'argent facile, hein, comme on dit. Alors si je pose là-dessus, ça fonctionne ou pas? Ok, je vais quand même tester ma brouette, hein, si déjà j'en ai une. On va mettre deux ou trois, voilà. C'est juste pour le test, hein, bien sûr. Parce que... Ok, maintenant, F. Si déjà on teste un jeu, autant le tester jusqu'au bout. Ok, ça fonctionne. Ça bouge un peu, faut faire attention, mais en tout cas, ça fonctionne. Ben, c'est cool. Voilà, c'est sympa.
Bon, ça servait pas à grand chose, on est d'accord, mais une fois que j'aurai des bennes jusqu'au fond, ça va me servir. Alors, ce qui est chiant, c'est que tous les barils ils se cassent, reste là-dedans, toi. Hop là! Et c'est tout, monsieur? Non, monsieur, encore quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pizza box? Ben attends, monsieur. Recyclable, pizza box? Non. Ah, résidentiel. Donc, monsieur, tu vas avoir une petite infraction. Enfin, madame, plutôt. Voilà, vous allez me payer parce que les cartons de pizza, là, c'est pas à moi, normalement. Résidentiel. Voilà, c'est dans résidentiel, les amis. Attendez, les cartons de pizza et tout, là, elle me prend pour qui, elle? Une déchette? Forcément, une déchette. Voilà, madame, vous pouvez y aller. Donc, on a juste fait cette petite erreur, mais c'est pas trop grave. Est-ce que je peux débloquer un nouveau matériau? Du matériel avec vous. Non, 50 points minimum pour débloquer le vast paper. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, voilà. Et tout le reste, c'est beaucoup trop cher. Est-ce que je ferai pas un petit management de mon recyclable machin? Ou de mon bulk trash? Qu'est-ce que je pourrais faire dessus? Alors, customer... Enfin, changer de couleur, voilà. Trash type. Non, je vais pas mettre 300 balles pour ça. Je vais garder un petit peu mon argent. Pour voir si je peux m'acheter autre chose. Un instant, j'arrive. Par exemple, un nouveau conteneur, un large conteneur, ça peut être bien aussi. Ben, j'en ai déjà, ça ne me sert à rien. Moi, je voulais quelque chose un peu plus d'automatisé. Ça aurait été vachement sympa. Mais bon, que voulez-vous, il nous faut beaucoup d'argent. 2500, bonjour monsieur. Alors, les amis, j'ai réussi à débloquer le paper, je sais plus trop quoi. On a 2400, la machine a coûté combien? J'ai un client qui arrive, c'est parfait. Elle a coûté 2500, c'est ça ce que je voudrais moi. Pour tout mettre à l'intérieur et tout broyer. Là, c'est pour le côté jardin, donc tout ce qui est branche et tout ça, ok. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Pour l'instant, j'ai pas eu mon nouvel objet que j'ai débloqué, le machin paper. Je sais pas s'il va arriver par la suite. Nous verrons bien. Ah oui, du coup, qu'est-ce qu'il nous ramène? Alors, que des sachets noirs, ça va coûter cher, madame. Alors, X, 24 balles, madame. Ah bah oui, on fait pas n'importe quoi non plus. Vous avez vu, j'ai pas eu trop de déchets depuis. En résidence, c'est assez rare. Mais dès que ça arrive, ça fait plaisir. Parce que ça fait un petit peu d'argent. Et bien sûr, de... Voilà. Bah, de l'argent en plus, forcément, voilà. Ok, 2496, non, il nous manque 4 balles, les amis, c'est pas possible. Allez, check out, envole-toi, madame. Ok, par contre, j'ai 101, je vais à nouveau débloquer petit truc, là. Du scrap metal, du house appliance, electric device, ou du verre. Alors, je pourrais faire du verre, peut-être, hein. Parce qu'après, il va falloir une... Ouais, du verre, on va faire, hop. Et après, il me faudra certainement acheter un conteneur pour le verre. Ça coûte combien un conteneur pour le verre? Ça coûte 300, je l'achète aussi. Et pour le verre, donc là, je mets empty, vous voyez, et je vais le placer glace conteneur. Ok, logiquement, bon, maintenant il manque un nouveau 300 balles. Mais logiquement, j'ai mon petit conteneur de verre qui est installé juste ici, c'est parfait. Là, j'ai eu quelques petits problèmes avec des déchets, hop, avant que je vide à nouveau cette benne. Bonjour monsieur, allez, on se dépêche un petit peu, les amis. Une camionnette. Alors, s'il a du verre, c'est bien, au moins je peux. Je peux tester, baptiser ma nouvelle benne. Bonjour monsieur, sérieux que quoi? Que des boîtes en... D'accord, est-ce que ça va là-dedans ou pas? Ouais, parfait. Ensuite on mettra un petit coup de... Enfin, pour ripper tout ça quoi. Voilà. On est nous à 2246 les amis. Bientôt les 2500 pour m'acheter enfin mon système. Je vais faire un petit F pour l'instant. Elle aussi, elle est quasiment pleine, regardez. On a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà monsieur, c'est tout bon pour vous, vous pouvez y aller. A bientôt. J'ai nouveau 5 points de réputation, c'est parfait. Et là-haut, il y a tout qui va se broyer normalement. Ah oui, c'est tellement beau ça, regardez. Ça pousse tout, ça broie comme on aime. Ah, je suis à 2200, il me manque plus grand chose, amis. Ok, amis, j'en profite pour vider les bennes du coup. Alors, management. C'était laquelle encore? Bulle trash, elle est complètement pleine. Donc, un petit conteneur. Voilà. Et moi, du coup, je vais m'acheter normalement si je peux. Ah yes, mon compacteur, les amis. 2500. Et je vais le placer juste à côté. Drum compacteur, ça doit être ça. On peut mettre. On va mettre des escaliers. C'est gratuit, donc autant profiter. Pareil. Ça... Ah non, on peut mettre en métal ou en bois. Je vais mettre en métal, voilà. Et du coup. Attendez, monsieur. Ça même freeze. Alors, c'est quoi, recyclable? Ah, ça, je sens que ça va être génial, ça. Alors, j'espère qu'il y a des choses à broyer, le monsieur. Bonjour, monsieur. Avec ma petite fourgonnette. Ah, il a encore du bois. Mais est-ce que le bois, on peut le mettre dedans ou pas? Parce que j'ai trop envie de m'amuser avec ma machine. Attends, monsieur, je vais faire un test. Oula, désolé, j'ai tout jeté partout. Est-ce que... Ah non, ça fonctionne pas, malheureusement. Je vais pas pouvoir jouer tout de suite avec ma machine. On remet ça là-dedans. Et j'ai pas eu de verre encore. Pourtant, je l'ai validé. Mais je n'ai pas eu de verre.
Tac. Voilà. Alors avant, j'ai pas eu de point de réputation parce que j'ai fait des boulettes avec des déchets. Les gens, ils m'ont ramené des choses et puis j'ai clairement fait n'importe quoi. Donc voilà, deux clients qui sont venus avant et j'ai fait n'importe quoi. Alors j'ai vidé les bennes en question. Maintenant, on est tranquille, les amis. Et là, par contre, il y a des déchets un petit peu partout. Hein. Encore cette histoire-là. Et là, ça s'enlève pas. Vous voyez, tout ce qui est cassé maintenant, je sais pas comment m'en débarrasser. Mais ce n'est pas trop grave. Alors dans le recyclable, normalement, c'est quoi? C'est les sachets là, non? C'est tout ce qui est plastique et tout. Le problème, c'est que j'en reçois très peu. Alors ça ne m'arrange pas trop. Je voulais jouer avec mon drum compactor, moi. Pas vrai, ça. Allez, la petite camionnette, j'espère qu'elle est pleine de surprises. Ah, workbench. Moi, j'ai trop envie de jouer avec mon truc. Hein. Ouais, je sais, mais j'ai trop envie de broyer des choses, tu comprends? La porte. Vas-y. Recycle. Ah, le problème, c'est que je fais n'importe quoi, mais c'est voulu. Attends, monsieur, désolé, hein, vas-y, tu peux t'en aller. Allez, j'ai quand même eu un petit peu de réputation, ça va. Du coup, comment que ça fonctionne? F? Ah, c'est moi qui dois faire S et Z. S, Z. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y, prends tout ça. Oh oui, on aime ça. Bah, en fait, c'est cool, ça j'aime bien. Il y a au moins un petit quelque chose qu'on peut faire, c'est sympa. Mais c'est tout. Ok. Alors, je fais encore un ou deux clients, les amis. Ensuite, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez compris un petit peu le principe du jeu. On peut rien aménager ou faire quelque chose là. Management. Du coup, le nouveau, il est où? Drum. Je peux mettre. Alors, ça fait quoi si je mets un panneau comme ça là, 200? 100 balles ça. Ok. Je vais juste voir ce que ça donne. Attendez, monsieur. Ben, attendez, je vous ouvre. Oh! C'est la première fois que je reçois un camion comme ça. Peut-être qu'il y a plein de surprises, amis. Nous allons voir. L'espoir fait vivre, comme je dis toujours. Attendez, monsieur, j'arrive. Je vais juste voir un truc. Ah, ça met un petit panneau comme ça. Ok. D'accord. Oh, monsieur, qu'est-ce que t'as de beau là-dedans? Ça va la forme? Ah, mais t'as que des trucs. Fou. Bah, des trucs qui servent à rien, quoi, tu vois. Des trucs qui sont pas à broyer. Moi, je veux que broyer. Comme les portes, j'aurais tellement voulu les broyer, mais bon. Que voulez-vous? Hey! Ah, c'est vachement embêtant, c'est. Ça, franchement, je vous avoue que c'est pas top, hein. C'est embêtant comme tout. Voilà. Le problème, c'est qu'elle se casse et après. Ah non, voilà. Le problème, c'est donc qu'elle se casse et après, je peux pas les. Oh, c'est pas vrai, c'est nul. Mais où des portes se cassent comme ça dans la vraie vie? Voilà. En fait, il faut que je les couche, il faut que je les sorte. S'il te plaît. Attends. Voilà. En fait, il faut que je les pose et voilà, ça ira beaucoup mieux. Ok. Elle a cassé, mais c'est pas grave, j'ai eu l'argent. Oh, tous les sacs poubelles, monsieur. Enfin, madame, c'est pas bon ça. Ah, bah oui, 54 balles, bah bien sûr, ça c'est pas autorisé. Par contre, ça va là-dedans, alors est-ce que je peux? Bah non, je pense pas. Bien sûr que non, mais non, c'est dans. Ah, c'est dans les déchets maison, voyez-vous? C'est ici. On l'a dit en plus, c'est sacs poubelles, madame. Et je reçois de l'argent, 307, attendez. Ouais, 317, parfait. C'est bien les sacs là. Ok, ben ça va être le dernier client, les amis. Vous avez compris un petit peu le principe du jeu. Je vais pas vous montrer toutes les bennes parce qu'il y a que deux autres machines. Sinon, le reste, c'est des bennes standards. Vous avez vu. Donc voilà. Après, encore une fois, est-ce que je vous conseillerais le jeu? Ben oui, pour les gens qui ont envie de s'amuser un petit peu. Il y a un côté un peu addictif, mais ce n'est pas la folie pour être franc avec vous. Et puis voilà. Après, c'est encore une fois jouable à la manette. À voir peut-être comment le jeu va évoluer. Est-ce que va y avoir beaucoup plus de nouveautés ou pas? Ça, je peux pas vous dire. Par contre, il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas comme ça. Dès que vous prenez un objet, c'est vachement embêtant, oui. Je veux dire, là, pour le sortir, voilà, il traverse le camion. Il y a beaucoup de choses, ouais, pas trop génial. Ouais, voilà. On va faire avec. Donc, ouais, les amis, je vais m'arrêter là-dessus, comme je vous l'ai dit. J'espère que cette petite présentation vous a fait plaisir. Je vous souhaite bien sûr à tous ceux et à toutes celles qui ont un chéri ou une chérie, une très bonne Saint-Valentin à vous. Voilà, c'est très important. Fêtez bien, et puis pour les célibataires, ben peut-être vous trouvez votre âme sœur, hein. Vous trouverez peut-être, sait-on jamais. Donc voilà, mais je vais m'arrêter là-dessus, je vais dire à la femme qu'elle s'en va, on a fait pas mal d'argent, et puis voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, c'est très important, et moi je vous donne 4 mètres pour les aventures, portez-vous bien, à plus, allez, gros de ciao, 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 monsieur, ciao, ciao.